c'est Calypso, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Fazbou Cuisine. Salut, salut. Et aujourd'hui on va regarder mes anciennes vidéos et je sens que ça va être une horreur pour moi parce que on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On le fait souvent en fait. C'est ça le problème. Souvent on regarde nos anciennes vidéos, on dit oh là là. Et aujourd'hui on vous montre. J'ai honte, je vais être mal à l'aise pendant la vidéo, pendant toute la vidéo, mais bon, ça fait toujours plaisir de soudre de sa gueule, hein. Voilà, après Charles va y passer sur sa chaîne, donc. Voilà, petite vengeance directement, ça fait plaisir. Je pense qu'on peut directement commencer par Calypso en vrai, parce que voilà. C'est là qu'il y a le plus gros dossier. Mais on va y aller step by step. Parce qu'il y a une vidéo que j'aime bien, mais on la garde pour la fin. Oh putain, j'ai honte. On fera un petit peu de ma chaîne principale aussi, mais on va surtout aller sur Calypso en vrai, parce que c'est là qu'il y avait vraiment les plus gros dossiers. Maintenant, c'est une chaîne de moto. Donc c'est différent, hein, de moto, de sport extrême, etc. Donc pour... si vous ne la connaissez pas, bah, y a déjà 231 000 abonnés, c'est énorme. C'est vrai que t'es bientôt première chaîne moto en France. Je suis bientôt la première chaîne moto en France, à 2-3 000 abonnés près. Donc si vous voulez me faire monter première chaîne, et bah voilà. On va commencer très gentiment, très très gentiment. Salut à tous. Ok, ça commence, j'ai déjà... aujourd'hui, on est à Marseille en compagnie de Fast Good. Cuisine. J'ai tout le temps les mêmes boutons. Hein. On est là pour le Siro Festival, donc moi j'avais un peu mon jeu. Et voilà, c'est parti. C'est vrai. Allez, vous emmenez. Horrible. La rencontre abonnée, ce qu'on a fait. Ouais, allez, on va vous faire voir un petit peu. Salut à tous, c'est Christophe. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rencontre abonnée qui s'est passée à Strasbourg. Ça y est, ça commence. Attendez, on arrive. Non, attends, ça, il faut qu'on remonte. Regarde le début de la vidéo, t'as l'impression, on sait pas. Il est déprimé, le pauvre. En fait, on a l'impression qu'il sait pas pourquoi ça commence. Salut à tous, c'est Christophe. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rencontre abonnée qui s'est passée. C'est Strasbourg avec Facebook Cuisine. Ah putain, t'étais à l'aise, hein? Ouais, grave, j'étais super, super bien. J'étais dans mon espace personnel, dans mon environnement, clairement. C'est un petit peu stressant, il reste une heure. Donc peut-être qu'on va déjà croiser. On avait un style à l'époque qui était d'une classe. Personne. Les gars, allez, pour les abonnés, si vous êtes là! Si vous êtes dans ma vidéo, postez un commentaire. Là, on va commencer à sortir le dossier. Ça commence à être moins drôle. Mais attention, parce qu'il y a celle-ci aussi. Oh non! GTA, j'avais oublié le burger GTA. Oh putain, la pro avec le frère, débile! Oh les gars! Regardez quand même le prison. Ah, l'appareil de muscu dans le champ qui fait plaisir. Ah, mon ancien appart. Oh non, oh non. Là, tu vas mettre la chantilly. Hey, regardez, attention, la bonne blague. Je t'ai pas goûté, frère. Oh, dis donc, quand tu y attendais pas. Attention. Non, moi, je sais ce que je veux voir. Oui, regardez, oui, attention, les mains. Regardez les mains, ce qu'il y a. On le voit, là, je le vois. Quand je suis mal à l'aise, quand je suis mal à l'aise, je me cache. Ah putain. Sur Facebook, t'as souvent les packs débutants. Le pull, la bague, la coupe de cheveux. Le pack beau. Oh putain, mais j'ai honte, mec. Montre avec le chien. Tu vas faire la bagarre. Oh j'ai peur. Oh là là. Oh j'ai peur. Mais moi j'ai un chien et je suis très compliqué. J'ai d'ailleurs utilisé son nom. Je te rappelle pas de ça mais. Et tous les jours en fait. On dirait comme ça. On dirait 6 de l'âge de glace, mec. Un montage avec 6. Enculé. Comme ça. Tu te rappelles hein. Calypso. Oh bah. Bah qu'est-ce qu'il fait là le chien? Qu'est-ce qu'il fait là Calypso? Oh putain j'ai honte. C'est pas ça là hein. Mais ça mec. Oh je m'en rappelle d'une. Salut à tous, 53 pour un Fates commentary sur MW3, donc en mode. Ta gueule, chat. J'avais envie de changer pour pas que ça soit super compliqué chercher à faire du score. J'avais jamais vu. Faut pas chercher à faire du score et puis pas se prendre la tête. Je me suis dit allez, on va pas infecté. Et donc oui, ça fait super longtemps que vous avez pas vu la petite tête. Oh putain, j'ai honte. Enfin, c'est commentaire. Ah oh, putain, dites que je vais faire voir ça à des centaines de milliers de personnes. Mais quel con. Ah, ça fait un choc, hein. J'ai du mal à m'y remettre. Maintenant, je vais te retrouver la vidéo. Tu vas te pisser dessus, je crois. Oh, elle est là. 30 millions de zombies, Bernard le fermier. Oh là là. Déjà le titre. Déjà le titre. Bernard le fermier, moi je vois ça. Ça met dans l'ambiance.
Oh mais putain, et là, franchement, heureusement qu'on ne voyait pas la caméra, parce que vraiment, je crois que je n'aurais jamais montré cette vidéo. Il y a 3 ans. Bonjour à tous, aujourd'hui, premier épisode de 30 millions de zombies pour Pauv TV. Allez, c'est parti. Oh mais attends, là, je suis obligé de me cacher. Oh, Michel, regarde le bisounours, si c'est une blague. Le Fredo, t'es à l'antenne. Nous voici donc dans la petite ville de Gros Mytho où nous allons rencontrer Bernard, un fermier qui entretient une relation très proche avec son animal de compagnie. Alors Nous voici donc dans la petite ville de Gros Mytho où nous allons rencontrer Bernard, un fermier qui entretient une relation très proche avec son animal de compagnie. Alors voilà, c'est Bernard. Je vends depuis bientôt 15 relais dans cette petite ville. Donc là, c'est un tuto de vie que je l'ai adopté il y a 5 ans. C'était pour Bernard qui parlait. Une bonne relation. Mon dieu, il y a encore un moment. C'est une négation encore. Reste la vidéo. Mon dieu, lutte, regardez. Toby, viens ici. Non, mais c'est dégueulasse. Vous n'avez pas honte? Jamy, rentrez à l'orbal. Oh, gros moment. Oh, le chien. Ok, putain, je me rappelais plus que c'était. Oh là là. Ah mais c'est juste fou. Mais quoi, je la mets en privé celle-là? Non, non, ça sera la dernière fois que vous la verrez. Allez la voir parce que dans une semaine, à mon avis, elle sera en privé. Oh, je la mets en privé maintenant, c'est la dernière fois que vous la voyez en vidéo. Non. Je suis désolé. T'es sérieux que tu vas faire ça? Ah ouais, ouais, non mais là c'est plus possible. Je me sens tellement honteux là actuellement. Je te jure, c'est horrible. Je peux te dire qu'après ça, c'est sympa. C'est 53 aujourd'hui, je vais à l'ouvrir. Et 250 km, c'est long. Regarde pas, écoute, regarde le bouton, on n'entend rien. Regardez le bouton. Il a coiffure. Et la bague, elle est là. Elle est toujours là, elle est toujours là, bien entendu. Excusez-moi. Non, allez, on avance, c'est bon, c'est bon. Attention, attention, parce que regardez. Là, ça va devenir drôle. Là, ça va devenir drôle. Guitar Hero, attention. Et maintenant. Pas ça. Je redoutais ce moment. Voilà, c'est le pire de ma carrière YouTube. Et attendez, attendez, attendez. Les reformes arrivent. Je veux voir la pluie. Bah attendez, regardez, il donne la place. Il a l'air con aussi. Putain. Avec la bague, avec la bague. Oh putain! Oh mais mec, tu t'es filmé en train de jouer de la flûte avec un bout de bois quoi. Aucun commentaire. Bon, eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, personnellement, ça fait honte de montrer ça, mais ça fait plaisir. Comme ça, au moins, on se remémore les bons et les moins bons souvenirs. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, ça fait bien rire de regarder ça, et ça fait toujours plaisir. Et surtout, maintenant, on va passer à phase de cuisine. Wow. Ta vidéo sortira en fin de semaine par rapport à moi. Mais vous pourrez aller voir ça sur sa chaîne, et je pense. On va bien suivre de ça. Très très sale. Ça chacun son tour. Ah. Mais je pense pas que ça peut être pire que ce qu'on a vu avec Bernard le fermier. Ouais, Bernard il est quand même. Bernard, c'est vrai. Bien haut quand même. Bah, sur ce, merci de l'invitation, Thibaut. Eh bien, de rien, je me suis encore invité chez toi comme d'habitude. Ouais, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. On se dit au revoir, n'hésitez pas à mettre un gros like si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et qu'on fasse. On peut aller voir d'autres vidéos d'autres youtubeurs, ça peut être rigolo aussi. Ouh. Allez se foutre de la gueule d'autres youtubeurs, des potes bien entendu, hein, ils vont bien le prendre. Mais je vais le prendre. J'espère. Non, je pense pas en fait. Sur ce, on se quitte. Bye bye tout le monde et merci Charles d'être venu. Ciao ciao, salut. D'être venu chez toi.